Ah, on dirait que ça attaque. On a réussi pour cette fois. De quoi, c'est ça l'attaque? C'est plutôt pitoyable. Ah, ça arrive. C'est juste un fournisseur. Très mal équipé. J'ai rien pour l'équiper ce pauvre gars. L'agriculture, c'est un travail honnête. Bon, désolé. Ah. Oh, sérieusement. Non, mais ça va l'attaque. Il était pillard en armure assistée. Putain, heureusement que j'ai volé des grenades à l'autre connard. Oh putain, mais ils font mal. Et ils ont des grenades. Mais bah putain! Un de ces jours, il faudra que je retourne à Diamond City. C'est la plus grande ville que je connaisse. C'est bon? J'ai pas le temps de parler. Oui? J'aimerais échanger des objets. Bien sûr. Ah. Je parle à qui? Non, ça je m'en fous. On a réussi. J'ai eu peur qu'on regrette d'avoir résisté à ces salopards. Mais les miliciens nous ont sauvés. Cool. Eh hey, mais c'est un des mecs, c'est à moi ça, non? Oh, fais chier. Eh ben, va falloir remettre un point de ravitaillement. Putain, j'arrive à peine que Covenant se fait attaquer, et alors que je dois aider les Warwick. Oh la vache, la vie de milicien, c'est insupportable. Faudrait que j'apprenne à déléguer un peu. Bon, qu'est-ce que tu veux? Bonjour. On a de gros ennuis. Ouais, ouais, je vais ranger ça. Quel que soit le problème, je peux m'en occuper. Ce sont ces sales monstres, les super mutants. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent manger et détruisent le reste. On peut pas continuer comme ça. Pas de problème. Les super mutants? Aucun problème. On vous remercie sincèrement pour votre aide. C'est parti mon kiki, où sont ces fumiers? Oh, ils sont pas à côté. Bon, allons les chasser. Et faisons vite parce que Covenant a besoin d'aide. C'est quoi ça? Oh, attendez. On a de la compagnie. Ok. Ça va être un bon combat. Si tu le dis. Oh bonjour. Ok. Ok. C'est moi ou il vient de me faire très mal ce con? On va vite se mettre un petit soin. Un petit, je dirais, jet. Suivi d'un petit team pack. Quoi? C'est inadmissible! Ça rigole plus.
Putain de miser. Putain, mais debout. On a de la compagnie. Sans déconner. Ah merde, il fait trop mal. Et Canigou immortel qui est en train de bouffer le super mutant lui tout seul. Bonjour. Tu serais gentil de crever. Un seul morceau. Enculé. Bref, ça c'est fait. Facile. C'est réussi. Et pas sans mal. Vous êtes encore en vie. Soit vous n'avez pas encore attaqué les super mutants, soit vous nous apportez une bonne nouvelle. Ta gueule. C'est super. J'ai tout le temps de vous dérangeront plus. On a eu une sacrée chance de tomber sur vous, hein. Merci. Allons défendre Covenant maintenant, monsieur. Ok, des super mutants. C'était quoi ce bruit? Des super mutants. Encore. On va essayer de pas tuer mes fournisseurs, encore. Après ça fait mauvais genre pour les... pour les échanges. Bon, c'est une attaque de merde. On a réussi. Pour cette fois. Vous avez entendu parler de cette ferme tenue par des ghouls? C'est dingue. Encore une victoire pour les gentils. Castounier. Hey, montrez-moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On m'a signalé qu'une colonie est menacée par des pillards. Laquelle? Merci du coup de main. Ouais, hein. Cet endroit a l'air de bien... débrouillés sans aide extérieure. On se demande quel genre de marché ils ont dû passer. Bah, avec les miliciens, vu que maintenant c'est nous qui gardons. Enfin, marché. Vite fait, quoi. C'était pas vraiment un marché que je l'aurais fait. Hé hé. Normand. J'étais en train de réfléchir au plan des prochains épisodes. C'est vrai qu'on a pro qu'il faut gérer, donc attendez. Là, on va. Peut-être continuer un peu la quête principale. Le chapitre d'après, on va faire le DLC Nuka World. Et ensuite, on finira, je sais pas. Non, peut-être je ferai le DLC à la fin. Non, je ferai Nuka World avant ou après les. Ou alors, je pourrais faire Nuka World maintenant. On est à quoi, 4 épisodes déjà? Allez, j'ai bien réfléchi. On va à Nuka World. Preston, vous trois, vous dégagez. Je vais prendre Kate avec moi. Et peut-être. Ouais, juste prendre Kate avec moi. Allez, c'est parti. Allons voir ce qu'il en est. Elle marche pas vraiment ta radio familiale. Bon, il semblerait que la radio soit buggée, donc je vais aller à peu près à l'instinct à l'endroit où faut aller. Donc je crois que c'est par là-bas. J'espère.
Allez. Ramène-toi. Ouais, j'avais raison, je vois l'icône d'ici. Là-bas. Personne ne va voir ce que c'est que ce signal tant que cet endroit n'aura pas été sécurisé. Si je vois qui que ce soit en... prendre le protocole et entrer dans cette gare de transit avant qu'on soit prêt, je lui fais la peau. Accélérez le pas. Je veux qu'on fasse notre rapport aussi presque le plus vite possible. Ok, des artilleurs. Chut. Sauvegarde rapide. On va tenter une discrétion pour une fois. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Heureusement que j'ai dit discrétion. Ouais, bah démerde-toi. Putain. On repassera pour la discrétion. C'est déjà fini. On n'a pas l'autre qui fait un bon de l'ange. Oh, robot. C'est pas le point faible, la tête du robot. Je crois qu'il m'a vu. Bon. Eh bien, on repassera pour la discrétion. Une minute. T'as entendu quelque chose ? Oh merde. Ah, chouette, invisible. Je déteste quand on fait ça, les gars. Oh merde! Oh la vache. Oh, souffrance et désespoir. C'était un coup de chance. Vas-y Kate, défonce là. Vous êtes... Merde. Il s'est passé quoi? Elle est morte. Munition, capsule. J'ai pas pris une tenue par hasard sans faire exprès. Ou une arme qui m'est pas utile. Non. On trouve quelque chose, on partage, hein. Bon, nickel commandant. Ils veulent quand même que j'écoute leur putain de radio. Plus personne. L'arnaque. Bon, allez, on s'en fout de ces connards. Non,
Dieu. Merde. Oh, ils vont tous mourir. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Les pillards. C'est ça qu'il y a. C'est pourri. Ont enlevé ma famille. Il faut que vous m'aidiez. Je vous en supplie. Dis-moi ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Ils nous ont roulés dans la farine. Et pas qu'un peu. Il y a quelque temps, on a croisé des marchands. Ils nous ont dit connaître un endroit sûr. En fait, c'était des pillards. J'ai réussi à m'enfuir. Mais ma femme et mon fils sont toujours là-bas. Nuka World fonctionne toujours ? Je me souviens de cet endroit. Je dirais pas ça. Il est dans un état déplorable, mais pour les pillards, c'est sûr que c'est génial. Des provisions en pagaille, de l'eau. Comment avez-vous fait pour vous échapper ? Ils sont pas très nombreux. 4 ou peut-être 5. Et avec tout le jet qu'ils avaient pris pour faire la fête, ça a pas été bien compliqué. J'ai crocheté la serrure de la cage. Ma femme, Lisa, m'a dit de m'enfuir. Voilà ce que rapporte la confiance dans le Commonwealth. Des fois, l'espoir nous achève quand on est à terre. Vous n'êtes pas là par hasard. Okay. J'ai lancé cet appel radio en espérant que ça ferait venir quelqu'un. C'est un signe, non? Et si vous ne voulez pas le faire pour elle, faites-le pour les capsules. J'ai de quoi vous payer si vous les ramenez. Bon. Je vais voir ce que je peux faire, mais je ne vous promets rien. Tenez, prenez ça. C'est le mot de passe du terminal de compte. Le moyen le plus rapide d'aller à Nuka World, c'est le Nuka Express. Vous pourrez le remettre en route à l'aide du terminal, dans le bureau. Mais... Ouais. Le grand spectacle d'Halloween de Nuka World commencera dès la semaine prochaine. Réservez vos places pour cet événement nocturne au guichet principal. Ouais, super! Salut. Vite, ou il sera trop tard. Ouais. Allons-y! Sauvegarde rapide. Allons-y. Veuillez vous écarter des portes. Por favor, mantengase a la hash. Bonjour. De la part de la Nuka Cola Corporation, nous souhaitons la bienvenue à chacun d'entre vous à bord du monorail Nuka Express. Pour votre propre sécurité, merci de rester assis ou de vous tenir aux mains courantes lorsque le train est en marche. T'es con, c'est une microbe ça. Sur la droite du monorail, vous pouvez observer le célèbre Mont Pétillant de Nuka World. Haut de plus de 100 mètres, le Mont Pétillant est la plus grande structure artificielle de Nuka World. Venez profiter de son restaurant panoramique 5 étoiles, le Grill du Mont Pétillant. Droit devant vous se dresse le cœur de Nuka World, Nuka Town, avec l'arène de Colacas. Alors comme ça, Harvey a réussi à persuader un autre pigeon d'aider sa famille. J'ai du mal à croire que ce gag marche encore. Je n'ai que quelques instants. Alors écoutez-moi bien. Je m'appelle Gage. Porteur Gage. Et à vrai dire, vous avez été piégé. Ceci n'est pas une mission de sauvetage. C'est un piège mortel. Mais si jamais vous vous en sortez, j'ai une offre intéressante à vous faire. En attendant, amusez-vous et offrez-nous un bon spectacle. Je n'en manquerai pas une miette. Comme je m'y attendais. Ok.
mes indésirables préférés. Si vous n'avez pas parlé, on dirait qu'on va avoir de la viande fraîche dans l'arène. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Ça te rappelle de bons souvenirs ? Ouais, ça va être toi aussi. Toi, tu mets les arènes, Kate. Et c'est parti. Espérons que notre nouvelle proie trouvera un peu d'inspiration en pensant à tous ceux qui ont échoué avant lui. Et moi. Signe si tu trouves des munitions. On va prendre cette arme. Ah, je suis arrivé. Ok, et je vais lire les lettres. Putain. Ah, MNOPQ. C'était quoi déjà le nom? C'était lettres, mots, lettres. C'est. Mots de passe, Dima. Oh, c'est quoi ça? Bah les grouilles. Ah voilà. Alors. C'est vraiment un sac à merde. Bref, m'en fous. Oh ta gueule! Sinon y'a pas un PC où que je fasse ça comme un con. Tiens, heureusement que j'ai des... T'as quoi toi? Limite ce serait mieux non? 36 dommages. Ah mais c'est de l'automatique ça. Ouais ça va me faire partir la mission. Hein. Arme. 36. Ouais non on va garder ce que j'ai.